Bon, faut savoir que je suis maudit du cul avec Pyke Mid. Quand je le sors, j'ai la pire équipe. Mais je gagne ma lane. Genre vraiment, je la gagne normalement bien ou je la perds jamais. Genre c'est impossible. Mais je suis maudit. Genre les gens, je pense que quand ils voient Pyke Mid, ils sont en mode oula, non. J'ai pas envie de jouer avec ça, ça pue la merde. Le truc important avec Pyke Mid, c'est d'avoir un Tiamat pour dépush rapidement. C'est obligé. Sinon, tu vas te faire. Ouais, clear. Et le mec il va roam et tu pourras pas le suivre parce que sinon tu vas perdre trop de farm. Regardez, j'ai pas perdu un point. Putain. T'as pas de flash? Nice. J'ai peur qu'il ait pas de flash. C'est free comme game. Là je fais de mon Warwick, en fait ce qui se passe à chaque fois je fais de mon jungler. Et ce qui se passe c'est qu'il a FK ce gros con ou qu'il grid après tu vois. Et en fait c'est une grosse merde. C'est comme ça que je suis maudit avec Pyke. Il faut que je gère le Kassadin là. Ok là si j'étais niveau 6 il était mort. Je prends une potion, je vais essayer de le tuer sous tour. Il a plus de flash. Heureusement que je l'ai pas touché parce que j'étais mort, j'avais complètement oublié qu'il avait un exhaust. Merci. C'est un fail ça monsieur. Triple ward. Bon, j'aurais pas pu l'aider en vrai, je pense que j'aurais été un peu late là. Jamais fais ça contre un Kassadin, toi! Mon dieu! C'est la règle quand tu joues un Warwick, tu peux pas ult un Kassadin. Ok, pour ceux qui se demandent pourquoi ça marche Pyke Mid, tout simplement, c'est un des meilleurs setups de gank. C'est-à-dire que ton jungler arrive, le mec en face peut presque rien faire en fait. Parce que je vais WE, je peux limite flash pour être sûr qu'il soit stun, et mon jungler ça peut être une Soraka AD, ça va fonctionner. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes un petit peu ton jungler un peu dans ta poche en mode m'oublie pas quoi. Après Pyke Mid, pourquoi ça marche aussi? C'est un champion qui est ultra safe en lane. En lane il est vraiment vraiment très très safe. Oh putain le bolos que je suis. Là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai carrément oublié que le bard pouvait Q et le stun et j'avais largement le temps de. Là my bad, là j'ai mal joué par contre. Il m'a ignite. Voir d'où je suis, j'essaie de gagner un max de temps. Allez, c'est parti! Un petit tour de manège! Allez, à plus 100. Je sais que quand je dis à plus, je meurs après. Ça va! Bon, là, par contre. On a gagné du temps, c'est pour un dragon. Ça va. Mais tu la sens la merde quand même qui arrive! On était derrière toi, 10-3, 17-10 là? Non, en vrai, ils sont un peu cons parce qu'il fallait juste emmener une personne pour pas que je me suicide. Ou pour pas que je back. Ils ont emmené trois personnes. Ils ont failli perdre une tour plus un dragon. Tu sens qu'ils ont un petit peu la rage du Pyke et qu'ils veulent Pyke. Le mouvement. J'ai dit quoi? Le mouvement, on suit le mouvement. À
Après, faut que l'autre aussi suive ton mouvement, sinon ça ne fonctionne pas. Avec Director, il me faudra encore plus de mouvement. Oh putain. Ok. Ouais, c'est une prank. Ok, peut-être pas. Oh, oh. Oh putain, le stun. Je pensais qu'il allait passer sur Queen. Bon, c'est un pour un, ça va. Je me suis fait prank au retour. En fait, quand tu sais que Trexie a 20 fois le level de ton Warwick en D2, il y a un problème dans le game en fait. Il y a un problème dans le game. Ok, ult level 2, ça change la game aussi là. Warwick, ok, il va farm. Cassez-vous. C'est peut-être my bad en fait, il avait juste stun et il voulait se barrer, c'est ça? Par contre toi si tu viens juste pour crever, c'est pas le temps qu'on voulait. Oh le stun, oh ça c'est pas mal, bien joué. Et Mordinger, bien joué. En vrai my bad, je suis désolé, c'est... Le barde avait bien joué en fait, il avait Q et il voulait se barrer. Pour moi il était dans la merde en fait et je devais aller l'aider. My bad, en vrai my bad. Il avait bien joué je pense, my bad, désolé. Il a bougé le bâtard. Vous me cassez les couilles. À chaque fois je meurs. Je tue un mec et je meurs juste après. Mon écran est en noir et blanc. Genre ça me casse les couilles. Vas-y, prends juste ça, je te le donne. J'en ai marre d'être ralenti. Oh non, il me l'a dévié. Il me l'a grappé, mon cul a pas marché. Putain, j'ai le seum. Ça va, ça passe. Terrible. Bien joué, le Darius. Être mort, tu joues pas. Ok, à plus. Attends, je te la reprends. Merci pour la control ward complètement free. Ouais, le tank, c'est pas la bonne idée. Je sais que c'est pas la bonne idée, le tank. Je savais pas où était ma stopwatch. J'ai paniqué. Ah mais ils vont rien faire. Donc. Qu'est-ce que tu fais là? Ça c'est du hint monsieur. La queen c'était du hint. Ça, c'était du hint aussi.
Le Rengar qui se suicide. Le Regan qui a failli mourir contre du PvE. Vas-y, bouffe-le, bouffe-le. Attends, c'est un génie ou un mongol? C'est un génie ou un mongol? Dites dans les commentaires si ce move était génie ou mongol. Attends, mais je vais gagner avec Pac-Mid. Je vais gagner avec Pac-Mid alors que j'avais une malédiction. Attendez, parce que si je gagne 17 points, je suis à 99 LP. Attendez, je regarde pas. LP, c'est... ça ferait chier. C'est bon? Merci mec, putain, heureusement dans le chat, c'est bon, merci. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est le tournoi au Co-Clash. Donc venez encourager les joueurs du Discord, et ça leur fera sûrement plaisir. C'est juste les premières games, hein. C'est pas la finale et demi-finale, vous inquiétez pas. Donc voilà, à plus.